Alors, bonjour les gars et les filles. Aujourd'hui, Grèce ancienne, deuxième chapitre. La religion et les Olympiades. La religion polythéisme, c'est la caractéristique de la religion des anciens Grecs, de la mythologie qu'on appelle aujourd'hui mythologie gréco-romaine. Parce que les Romains ont fusionné leur divinité, leur légende avec celle des Grecs, et l'influence grecque était toujours la plus importante. D'accord? Polythéisme, vous le savez déjà, ça veut dire que c'est une religion qui fait un culte à plusieurs divinités, qui affirme l'existence de plusieurs divinités. Or, que les dieux de l'Olympe, qu'on appelle, parce qu'on considérait que l'Olympe était le siège, la montagne la plus haute au nord des divinités, les dieux de l'Olympe, ils se ressemblent beaucoup aux humains. D'accord? Ces divinités-là sont complètement différentes du dieu unique d'Abraham, Isaac, Jacob, de Jésus-Christ, de Mohammed, d'accord? Du dieu unique qui est présent partout, qui est spirituel, qui entre en relation avec les humains, qui n'a pas de corps. Par contre, ces dieux-là sont des dieux qui, comme les humains, sont nés, comme les humains ont plein de passions, comme les humains font des bonnes choses et des bêtises, d'accord? Ils inspirent les bonnes actions, mais ils démontrent aussi qu'ils font plein d'erreurs, ok? Et évidemment, ces dieux-là, on les reconnaît dans le ciel, dans les astres, mais ils sont présents aussi quelque part par terre. Ils bougent, ils visitent les humains. Ils ont des pouvoirs surnaturels, ils font des tours de magie, ils peuvent envoyer des bonnes choses et des mauvaises choses aux hommes. Mais la caractéristique principale, c'est qu'ils sont immortels. Et souvent, les anciens, quand ils parlaient des dieux, ils disaient les immortels. Or, dans le contexte de la religion polythéiste, on va parler aujourd'hui aussi des Olympiades. D'accord? Donc, deuxième mot-clé, Olympie. Olympie. Olympie, à ne pas confondre avec le mont Olympe, qui est au nord. On va voir ici la carte de la Grèce. Et le mont Olympe se trouve ici, dans le nord, siège de la divinité, siège surtout du chef des divinités, le dieu Zeus. Olympie, par contre, se trouve dans cette péninsule au sud, presque île du Péloponnèse. Et la ville s'appelait comme ça, grâce au fait qu'ils avaient choisi comme divinité protectrice. Chaque ville avait une divinité à qui il faisait un culte particulier, Zeus. Et donc, en honneur du mont Olympe, la ville s'est appelée Olympie. Voilà où c'est le lien. Hein? Mais ils ne sont pas proches, les deux endroits, le mont Olympe et Olympie. OK. Les Olympiades, on va dire tout de suite, c'était avant d'être une action sportive, de compétition, c'était une action de culte. D'accord? On considère que Zeus et les autres dieux assistent aux compétitions. Les compétitions que les athlètes font sont en honneur des divinités. Donc, c'est un acte sacré. D'accord? Donc, à Olympie, depuis l'origine de la ville, depuis la nuit des temps, d'accord, comme dans d'autres villes, comme des villes helléniques, comme aussi ailleurs, on fait des compétitions, okay, en honneur de la divinité. Sauf que celle d'Olympie devient extrêmement populaire. Au fil du temps, il y a de plus en plus de participants qui viennent d'ailleurs, jusqu'à l'année 776. C'est une date mythologique, mais nous, on va la prendre telle qu'elle est. D'accord? À l'année 776, toutes les villes qui se considèrent grecques participent aux Olympiades, à ces actions de culte, ces compétitions en culte pour Zeus. D'accord? Et à partir de ce moment,
et on les célébrera avec très grande solennité à chaque 4 ans. D'accord, on les appellera aussi les Olympiades. L'événement de 776 est tellement important pour les anciens helléniques car ils le considéraient comme le début de leur calendrier, le point de départ de leur calendrier. Hein? Qui s'en souvient de la fondation de Rome? Quelle était la date de la fondation de Rome? Yaya, fort. Non, non, Andrei. 753. Donc, ça veut dire que quand Rome est un petit village à peine fondé au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs déjà étaient une civilisation très développée avec ses Olympiades et des temples un peu partout. D'accord? Donc, quand l'autre mot-clé, la valeur religieuse, on va encore parler des Olympiades en parlant de la valeur religieuse. On fait ici pour retourner. Ok. Donc, c'est ici. Alors, valeur religieuse. Les athlètes qui venaient un peu de toutes les villes, la première chose qu'ils faisaient quand ils arrivaient à Olympie, quand il y avait les Olympiades chaque 4 ans, la même chose, c'était de se rendre au temple de la divinité de leur vie. Par exemple, ceux d'Athènes, qui avaient comme déesse protectrice Athéna, aux autres, ils allaient au temple d'Athéna. Okay? Et là, ils faisaient des sacrifices, c'est-à-dire ils offraient de la nourriture, de la viande, des oiseaux, des animaux, que le prêtre gorgeait, et puis gardait une partie pour lui, et puis les autres, on les brûlait. La fumée qui montait, c'était l'offrande aux dieux pour les propitier. D'accord? Ok. Les disciplines sportives, on les appellerait les compétitions qu'il y avait, ce sont les plus classiques des athlètes aujourd'hui. D'accord? Surtout, c'était des courses de plusieurs longueurs. Ou sinon, il avait des lancements du javelot, ou de la lance, des sauts. Et des luttes. Hein, il n'y a pas longtemps, il y avait une discipline olympique qui s'appelait la lutte gréco-romaine. Et ça ressemblait beaucoup à ceci. Il y avait des luttes. D'accord? La lutte la plus dangereuse, c'était le pugilat. Pugilat, hein, je vais l'écrire ici. Le pugilat, c'était un peu la boxe. Aujourd'hui, nous l'appellerions la boxe, d'accord? C'est-à-dire une lutte à coups de poing. Et que c'était pas rare qu'elle se termine avec la mort d'un des athlètes. Le but, c'était pas de tuer, mais ça pouvait arriver, d'accord? C'était quand même, jusqu'à nos jours, c'est très dangereux, mais imaginez, 100 gars de protection, par contre, ils appliquaient sur leurs mains quelque chose pour faire encore plus mal, au lieu de protéger l'autre. Et juste une petite anecdote, on raconte que dans une lutte corps à corps, hein, ils pouvaient utiliser les mains, la tête, mais pas les jambes et les pieds pour attaquer l'adversaire, d'accord? Et donc, avec les mains, il pouvait lui tordre le cou, lui mettre les doigts dans la bouche. La bouche, non, parce qu'il va te mordre. Mais dans les nez, dans les yeux, dans les oreilles, puis lui tordre une jambe, un bras, une main, d'accord? Mais tu ne pouvais pas, par exemple, serrer l'autre avec tes jambes, d'accord? Ou lui donner des coups de pied ou des coups de genoux, d'accord? Donc, dans cette lutte-là, la lutte continuait jusqu'à quand? Un des participants levait son doigt, d'accord? Il levait son doigt. Ça voulait dire « je me rends, l'autre a gagné », d'accord? Sinon, la lutte continuait jusqu'à temps qu'il y avait quelqu'un qui se rend. Alors, on raconte que
il y avait deux athlètes dont un avait pris le pied de l'autre et le tordait complètement, d'accord, il a eu trop de pied. Et celui-là qui se faisait tordre le pied, par contre, avec son bras, était en train d'étouffer son adversaire. D'accord. Et c'est à un moment donné, celui-là qui se faisait tordre, celui-là qui étouffait son adversaire, hein, qui avait mal au pied, d'accord. À un moment donné, par la douleur, il va se rendre. Il lève son doigt. D'accord. Alors, la lutte est finie, mais l'autre est mort parce qu'il a étouffé. Alors que ce qui se passe, c'est que son adversaire est mort, mais il a gagné. D'accord. Donc, son adversaire a tout le droit. Okay? Alors, il peut arriver que quelqu'un gagne, mais il va perdre. D'accord. Puis, il y avait une autre compétition. Il y avait une autre compétition qui c'était la course avec des chevaux. D'accord. Et là, c'était la seule course que les femmes pouvaient gagner. Pourquoi c'était la seule course que les femmes pouvaient gagner? Parce que dans la course des chevaux, ce n'était pas le chevalier qui gagnait, ou non, pas non plus le cheval, mais le propriétaire du cheval. Donc, si le propriétaire du cheval, c'était une femme, c'était la seule compétition qu'une femme pouvait gagner parce que les femmes ne participaient pas aux Olympiades. D'accord? Et la course des chevaux, d'accord, où il y a les chevaux en arrière et il y a le... Comment on s'appelle celui-là qui conduit le cheval? Le chevalier. On va l'appeler chevalier, mais ce n'est pas le bon nom. D'accord. Qui est sûr qu'un chariot, d'accord, c'était le seul qui était habillé. Parce que dans toutes les autres compétitions, elles étaient complètement nues et avec le corps couvert, même par l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive garde la chaleur, et donc les muscles, grâce à la chaleur, sont plus puissants. D'accord. Ok. Un aspect très important, d'accord, des Olympiades, c'était la trêve. La trêve. Trêve, ça veut dire arrêt temporaire des hostilités, des guerres, des actions de guerre temporaires. Ce n'est pas la paix tout à fait, d'accord. Normalement, quand on arrête de se battre, normalement, on se prépare pour la paix. Mais puisque les Olympiades étaient une action sacrée, il fallait assurer à tous les athlètes de pouvoir participer et de pouvoir se rendre en sécurité jusqu'à la ville d'Olympie. Et puisque les villes grecques étaient souvent en guerre les unes contre les autres, toutes les villes avaient plus ou moins une guerre, et les athlètes étaient aussi des guerriers, alors qu'est-ce qu'on faisait? Un mois avant, un mois après, disons plus ou moins, on imposait cette trêve. On considérait que les dieux demandaient d'arrêter toutes les hostilités, d'accord, pour donner place aux Olympiades. D'accord. Juste une petite anecdote, vous allez vous souvenir ce qui est une trêve. Il y a quelques années, au mois de janvier, il y avait eu une grosse tempête de neige. Et à la sortie de l'école, j'étais venu en transport public ce jour-là, je vais à la porte principale et dès que je sors, je vois plein de boules de neige qui volent dans l'air. D'accord? Il y avait une énorme bataille. D'ailleurs, il y avait deux champs d'élèves, à ma gauche et à ma droite, et le terrain de bataille était juste le passage. Alors que moi, je n'aime pas recevoir des boules de neige sur la tête. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai levé mon bras et j'ai dit « Halt! Je demande une trêve! Il faut que je passe! » Et alors, la bataille s'arrête. Je passe par là et les élèves me saluent. « Bonsoir, Monsieur Colleoni. Demain, on a un cours. Est-ce que vous allez prendre les cahiers demain? » Alors que je passe tout le monde et j'arrive sur la rue de l'autre côté et la guerre recommence. C'était la trêve sacrée du passage de M. Colleoni.
Alors que surtout l'aspect de la trêve est très important. Pourquoi? Parce que longtemps après, des siècles après, au 19e siècle après Jésus-Christ, et les Olympiades ont été arrêtées au 4e siècle après Jésus-Christ, 15 siècles plus tard, au 19e siècle, il y a un philanthrope, quelqu'un qui a essayé de faire du bien à l'humanité, qui s'appelle Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, qui avait été un diplomate français, d'accord, Pierre de Coubertin, qui lui a l'idée de relancer au niveau international les Olympiades. Et c'est lui qui a donné origine aux Jeux olympiques modernes. D'accord, il a beaucoup travaillé, il a convaincu les gens à y participer. Et donc, mais son objectif, c'était de établir la paix. Son idée principale, c'était un peu comme dire, au lieu de se faire la guerre, on va battre, on va se battre avec la compétition sportive. Non? Donc, la chose qui l'avait inspiré le plus, c'était la trêve. Non? Et les Olympiades, les Jeux olympiques modernes ont eu leur première édition en 1896, je vous laisse imaginer dans quel pays, Grèce, d'accord, parce que la Grèce ancienne l'avait inspiré, non pas Olympie, mais dans la ville d'Athènes. D'accord, malheureusement, ça n'a pas garanti la paix, au lieu qu'au contraire, la Première et Deuxième Guerre mondiale ont été capables d'arrêter les Jeux olympiques, mais ils sont devenus extrêmement populaires. Hein? Cette année-ci, ils ont été interrompus à cause de la pandémie que nous vivons. C'est une autre victime de la pandémie. D'accord? Je vais prendre quelques questions. Oui. Parce que c'était le propriétaire du cheval qui gagnait. Le prix allait. Alors, que juste ajouter une chose, Pierre de Coubertin, lui, avait lancé une phrase qui est devenue très célèbre. L'important, ce n'est pas de gagner, mais c'est de participer. Ça, c'était l'esprit par lequel il invitait les pays à participer, d'accord? Mais pour que les anciens, c'était absolument pas comme ça. Il fallait y participer et il fallait y gagner. Si quelqu'un, un athlète, hein, parce que les athlètes étaient aussi des guerriers, et le sport avait été surtout un entraînement pour la guerre, parce que n'importe quand il pouvait être rappelé pour aller dans l'armée, pour aller se battre contre l'ennemi. Pour les autres, si un athlète retournait dans sa ville victorieux, gagnant, alors qu'il allait recevoir beaucoup de gloire, de grandes fêtes en son honneur. Et puis il devenait un personnage prestigieux, important. À Athènes, l'athlète qui avait gagné souvent était des politiciens très influents, d'accord, ou de chefs dans l'armée. Par contre, s'ils avaient perdu, c'était une honte terrible. Ils rentraient beaucoup plus tard dans leur ville et puis ils restaient cachés pendant longtemps parce que les gens n'arrêtaient pas de les critiquer et de les blâmer. C'était une honte inacceptable, d'accord. Il valait mieux mourir de pugilat ou dans la lutte plutôt que de retourner et avoir eu un mauvais placement. Quelques questions, oui. Les Jeux olympiques modernes, 1896. Plus fort. Les Olympiades d'Athènes ont été interdites au 4e siècle après Jésus-Christ. Oui. Les premiers Jeux olympiques modernes. Ce qu'on fait encore à chaque 4 ans. Oui. Parce que, selon leur récit, c'était l'année où toutes les villes grecques y ont participé. On les appelle aussi les Olympiades pan-helléniques. Pan, ça veut dire toutes, donc hellénique, ça veut dire grec, de toute la Grèce. Samuel. Ah, je ne sais pas les détails, je ne sais pas les détails. Cécilia. Je n'ai rien compris. Pourquoi est-ce que l'aspect
Pourquoi la trêve est très importante? Parce que la trêve a inspiré Pierre de Coubertin à organiser les Jeux olympiques modernes parce qu'il voulait favoriser la paix. D'accord? Au lieu de faire la guerre, on se fera les compétitions sportives. Il n'y aura pas de sang qui coule. Oui. Honte. Ah, je ne sais pas. Alors que Dionysos, une divinité qu'on va nommer parmi toutes les autres, hein, d'accord? Dionysos était le dieu du vin, d'accord? Bacchus pour les Romains. Et ce dieu-là était particulièrement vénéré, on peut dire comme ça, hein, d'accord? Un culte, parce que son culte était tout particulier. Son culte était fait des festins, ok? En honneur de lui, les gens se retrouvaient, musique, danse, beaucoup de nourriture et beaucoup de vin. Donc, les gens aimaient ceci. Mais à Athènes, il y avait aussi une activité particulière pour célébrer Dionysos. Et c'était de réaliser des pièces de théâtre. Donc, le culte de Dionysos est à l'origine du théâtre. Et comme nous le connaissons aujourd'hui, et de toutes les évolutions du théâtre, que c'est le cinéma, la télé, d'accord, tout ce qui est une représentation fictive de la réalité, d'accord, qui nous amuse énormément. Et le théâtre de Dionysos existe encore aujourd'hui, les ruines, mais sont des ruines imposantes, qui se trouvent sur la côte de l'Acropole. La ville d'Athènes, est-ce que je vous ai dit la dernière fois l'Acropole? Non. Okay, alors, je vais l'écrire ici. La ville d'Athènes avait et a encore une petite montagne, d'accord, une grande colline au milieu d'elle, de celle-là, comme un peu Montréal qui nous avons le mot Royal. Or, l'Acropole à Athènes était la partie sacrée de la ville. Il fallait monter là, et là, il y avait les temples les plus importants, plusieurs temples, d'accord, comme la partie sacrée. Et sur la côte de l'Acropole, ils ont aménagé un théâtre, c'est-à-dire qu'ils ont fait un demi-cercle en gradin avec en bas la scène. Or, le théâtre grec, je vous nommerai certains auteurs du théâtre grec au prochain cours, hein, on parlera des personnalités, des plus grands savants de la Grèce ancienne. Théâtre grec, les pièces de théâtre étaient faites pour rire ou pour pleurer. Pour avoir du succès, il fallait sortir qu'on avait pleuré ou qu'on avait ri. Sinon, c'était vraiment le fiasco, d'accord? Et ils étaient terribles s'ils faisaient fiasco. Donc, c'était la tragédie et la comédie comique. D'accord? Dernier mot-clé, le Parthénon. Qui sait ce qui est le Parthénon? Ça va? C'est un temple. C'est un temple. Le temple le plus célèbre de l'Antiquité grecque, qui se trouve donc sur l'Acropole. Un temple qui était majestueux, ils ont appelé les meilleurs architectes, un tel Phidias, architecte, sculpteur, décoré, avec une énorme, gigantesque statue de la déesse Athéna à l'intérieur, Athéna Parthénas, Athéna Vierge, d'accord, donc de là Parthénas Vierge, donc le Parthénon. Statue immense, là je ne pourrais pas dire, mais je dirais que c'est peut-être 20 mètres, ben 10 fois, 12 fois la taille d'une personne. Une statue faite en or et en ivoire, d'accord? Et ils ont taxé toutes les autres villes de la Grèce ancienne pour pouvoir construire le Parthénon, et on verra par la suite. Ok, le Parthénon existe encore aujourd'hui, en ruine, mais un peu comme le Colisée, d'accord, à moitié existant, moitié détruit, moitié existant, et toujours imposant. Je suis allé à Athènes et de plusieurs endroits de la ville, on voit le Parthénon tous les soirs quand il est bien éclairé, parce qu'il est vraiment sur la colline au centre de la ville. D'accord, c'est devenu un peu le symbole aujourd'hui de la ville d'Athènes.
Or, le Parthénon, comme le temple grec en général, est devenu au fil du temps une source d'inspiration pour l'architecture. D'accord? À vrai dire, est devenu à partir du 15e siècle. Ben, les Romains, ils ont imité tous les temps grecs, ça c'est sûr. Mais, puis après la chute de la civilisation, il faudra attendre le 15e siècle, à la Renaissance, et puis les siècles à venir, surtout le 18e et 19e siècle, que beaucoup de constructeurs d'édifices se sont inspirés du temple grec. Ok, ici, j'ai mis une photo d'une reconstruction du Parthénon. Je vous invite à trouver vous-même les photos du Parthénon, faites des ajouts, d'accord, dans votre cahier. Sinon, attendez le diaporama, on va voir un peu des photos sur la Grèce antique. Mais la photo que vous voyez, non, ce n'est pas à Athènes, c'est aux États-Unis. Dans une ville qui s'appelle Nashville, au Tennessee. Ok, comme vous savez, les villes américaines n'ont pas beaucoup d'histoire, elles sont récentes. Mais donc, au fin du 19e siècle, les gens ont voulu faire une très grande œuvre. Ils ont voulu reconstruire le Parthénon en taille réelle dans leur ville. Et le voilà. D'accord? Donc ici, on voit un Parthénon qui est intact. Ils l'ont reconstruit à partir des données qu'ils avaient, parce que beaucoup, surtout des statues, on a les descriptions écrites, mais on n'a pas de cette frise-là qui se trouve à vrai Parthénon. Il reste peu de choses. D'accord? Ils l'ont reconstruite et dedans, ils ont reconstruit aussi la statue, okay? comme ils sont capables. Donc, moi, j'ai vu le Parthénon à Athènes et j'ai vu le Parthénon à Nashville. Et celui-là de Nashville est toute une histoire très intéressante, pas aussi intéressante comme mais intéressante donc, à voir. Ok, regardez ceci. Hein? Vous vous souvenez de ce diaporama qu'on a vu au début, de beaucoup d'édifices de notre ville, la Banque de Montréal, le marché Bon Secours, les façades d'églises, façades de musées, d'accord, édifices commerciaux au centre-ville. Quels sont les éléments les plus typiques? D'accord, c'est important de savoir les reconnaître. Alors, retenez ce nom. Vous avez vu qu'il y a souvent un triangle, d'accord, dans cette façade. Ce triangle-là s'appelle le fronton. Cette partie-ci, c'est le fronton. Le fronton. Dans le temple grec ancien, dans les frontons, il y avait souvent des statues. Statues en bas-relief, des statues qui sortent à moitié, à trois quarts du mur. Qui, normalement, et comme toutes les autres décorations, ce qu'on fait dans les carrés ici en bas, représente la mythologie, les contes de cette divinité qu'on honorait. Celle du Parthénon en particulier raconte la légende de la fondation de la ville d'Athènes. D'accord? Quand il y a eu la fondation de la ville d'Athènes, deux divinités se sont proposées comme divinités protectrices. Une, c'était Neptune, Poséidon, et l'autre, c'est Athéna. Poséidon donne... Alors, juste certaines choses. Donc, le fronton, puis les autres choses qu'il faut retenir, les colonnes. Colonnes, c'est un mot. Mais regardez la partie haut ici des colonnes, c'est là, marqué le nom, c'est très important, ce sont les chapiteaux. D'accord? Chapiteaux. D'accord? Chapiteaux, pour les mindrans. Si vous voulez faire un petit ajout, dites les trois ordres des chapiteaux qui marquent aussi l'histoire de la Grèce ancienne. Les trois ordres, les trois types, on les appelle les trois ordres des chapiteaux.